Écoute, ouais, c'est un peu, c'est une belle course depuis le début, un peu frustrant depuis quelques jours, donc on a vu notre retard grandir et sur le groupe de devant, hein, le groupe des cinq bateaux récents et notre avance diminuer comme neige au soleil depuis 48 heures là, sur le groupe de derrière, donc on est un peu entre deux, quoi. Donc voilà, c'est super, mais un peu frustrant en ce moment et j'avoue assez tendu nerveusement. Guillaume, qu'est-ce que vous avez là en ce moment comme condition là en mer? Écoute, il fait beau, on a une dizaine de nœuds, entre 8 et 10 nœuds de sud-est, vers sud-est. On essaye de sa route vers le sud pour venir retrouver les cadavres. Et Guillaume, est-ce que le poteau noir est dans le tableau arrière ce midi? Ouais, de notre côté c'est bon, le poteau noir est dans le tableau arrière, c'est très immense à faire. On n'a pas eu de vent très très violent, par contre une zone de pas de vent assez importante et une zone de pas de vent de assez importante. Quoi. Donc on essaie de faire mieux avec ce qu'on avait, mais c'était pas simple. C'était pas simple, donc là ça partit. Au final, Guillaume, vous êtes resté combien de temps dans le poteau noir? Écoute, j'ai envie de te dire 24 heures. Parce qu'on a vu 24 heures. Par contre, les alizés du sud-est sont pas vraiment établis. Ils sont pas vraiment établis à la sortie, ils ne sont toujours pas d'ailleurs. Et donc ça a donné des conditions de vent, des conditions de vent pas simples avec un alizé assez faiblichon. Donc on a profité pour se laver, changer un peu les idées, et puis repartir comme en carence. Bon, ok Guillaume, donc tout va bien à bord, les bonhommes sont reposés et pareil attaquer la dernière ligne droite. Exactement, ouais, exactement, tout va bien à bord, on est toujours avec lui, l'ambiance est au beau fixe, on surveille nos petits copains devant et derrière, parce que devant ils font vraiment une belle course, puis ça va vite et c'est très joli à voir de monde. Et puis on a suivi hier l'arrivée de Seb et Charles, qui est demain un peu plus tard, mais sur l'arrivée de Seb et Charles et tout le Gitana Team qui ont fait une course incroyable, 12 jours pour traverser l'Atlantique. Moins de 12 jours, pardon, excusez-moi. Moins de 12 jours, c'est impressionnant. Bravo à eux et à tout le Gitana Team. Ouais, dis-moi Guillaume, ça te rappelle des souvenirs un peu par rapport à il y a 2 ans, la mini transat où tu avais passé l'équateur, tu avais été jusqu'à Salvador. Tu trouves des choses un peu semblables par rapport à ta route il y a 2 ans? Oui, en tout cas le parcours, on était passé dans le secteur, c'est sûr. Donc faut pas trop sympa de repasser par là. Après, les conditions de vie à bord du bateau sont pas du tout les mêmes qu'à bord d'un mini. Je me remémorais hier ma aventure, le poteau noir en mini, ça avait été très très bon pour nous une petite semaine. Mais t'es trempé du matin au soir, t'es dans l'eau, dans ton jus, alors c'est bon, voilà, bah on a quand même un bateau nettement plus grand qui nous permet de prendre un peu plus soin de nous et voilà, donc ça fait pas de mal. Bon, ça sera le premier. Sympa. Toi, t'as déjà passé l'équateur, ça sera le premier équateur pour Louis? Ouais. J'ai appris ça. Est-ce que t'as prévu quelque chose? Je sais pas ce que je vais lui faire, mais il me reste 150 000 pour trouver quelque chose à faire.